Yo tout le monde, c'est PixmaSeb. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu. Donc, c'est pas tellement un nouveau jeu, mais pour ma chaîne, c'est un nouveau jeu. Car je vais jouer à World of Tank. Excusez-moi, j'ai eu un petit trou de mémoire sur le coup. World of Tank. Aussi surnommé What, hein, voilà, comme tous les jeux, il y a un petit surnom. Donc là, je joue un petit cher français, le R35. Donc là, pour ceux qui veulent le savoir, j'ai démarré le jeu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. J'ai commencé à jouer il y a un tout petit moment. Donc si vous voulez C'est parti! jouer avec moi, vous pouvez me le demander. Hein, je le ferai avec plaisir. Avec vous. Donc là, on est en visée sniper. Essayez de foutre les ennemis. Prêt à tirer! Ils sont seulement touchés. On les tire, les gars! On a perdu la cible! On a réussi à en prendre un. Donc le but, c'est bien sûr de tuer le tank. Je les tire! Et en tuant le tank, on va réussir à gagner la partie. On n'a pas une grosse vision, mais ça va. Ça, on sent bien. Oui, il est cuit. Passez au suivant. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de dégâts, ça va. Il faut toujours vérifier un peu sur la map. Ils sont seulement touchés. Cible acquise. Carnage! Il y en reste beaucoup! Ils sont seulement touchés! Donc, alors, pour ceux qui veulent savoir, le char que j'ai, c'est un char léger. Je suis IHS! Aïe! On peut plus bouger! Ah merde! Chier! Donc, oui, on voit pas son char en entier, on peut voir un bout de son char. Enfin, je l'ai réparé! Allons-y! Voilà. La voix qui va nous dire donc on a un nombre de munitions limité. Comme vous voyez, 141. 141. Donc on peut se cacher dans les fougères et ce jeu est vraiment. Ce jeu franchement moi je l'aime bien. Pas pour dire que je l'adore. Voilà. Wow. D'accord, il est pas loin par là. Ah là là, et c'est bon. Il est mort. Donc voilà, victoire avec ce petit char français, le Renault R53. Donc vraiment, hein, oui, ça fait vraiment qu'un tout petit moment que je suis en train de jouer, hein, pour ceux qui se demandent. Donc maintenant, on va jouer avec un petit char américain, un char moyen, qui est le Vinker Medium MK. Donc pour ceux qui comprennent pas, vous en faites pas, je ferai une vidéo explication, mais là c'est vraiment une vidéo découverte du jeu, parce que pour moi, je connaissais pas le jeu avant justement d'avoir, pas d'avoir, avant de regarder justement quelque chose qui s'appelle justement, mince, dis donc j'ai oublié le nom, tout à l'heure je l'ai regardé en plus, oui, le choc des blindés 2, excusez-moi, qui s'était passé à la PGW où il y avait... l'équipe de Zerator, l'équipe de Millennium, l'équipe d'Eclipsia et l'équipe de Gaming Live. Donc que le spectacle commence. J'ai trouvé assez cool. Donc là, comparé à tout à l'heure, on a un char moyen, donc on est moins rapide. On est moins rapide qu'un char léger. Un char léger, faut tout savoir, il se déplace très rapide. Et ce qu'il y a à savoir sur ce char aussi, c'est que comparé à l'autre, l'autre il tirait qu'une seule balle. Lui, il va pouvoir tirer plusieurs balles en simultané. Donc vous allez voir, donc là on est à 24 km/h, on va trop vite. LOL MDR. C'est
désolé de mon pseudo, il a été coupé, mon connard. Ah, ça se fight là-haut, ça se fight, vite. Vous voyez, les... Donc là, voilà, il y a une petite vision sniper comme ça, comme je le disais tout à l'heure. Là, ça ne tombe pas vraiment trop. Et là, si on ne ferme pas tout cela, on se fait contrer la gueule. Voilà. Ouais, ça va, il est... Ah! Prêt à tirer. Où sont-ils passés? Voilà, regardez. Les gars, on va même pas avancer. Je les tire. Tire en rafale. Et ah, c'est fini. Fait... On s'est fait dégommer. Ah. On s'est fait détruire, c'est pas possible. Donc lui, je sais pas s'il faut derrière. Il essaye de venir dans les lignes. Donc bon. On va retourner au garage et on va refaire une autre partie. Donc si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez me le demander. Donc pour l'instant, je vous ferai certaines vidéos. Donc là, voilà, comme vous voyez, lui, il est en bataille, vu que j'ai pas fini. Et donc, justement, la game se continue. Donc, vous savez quoi? Bah, on va aller avec un petit cher russe, qui est de deuxième rang, qui s'appelle Tetrach, qui est deux rangs, deuxième rang d'élite, qui a un petit cher assez sympathique, voilà. On va aller en partie avec. Donc celui-là, c'est un petit char moyen. Un petit char léger, excusez-moi. Donc on va essayer de faire la game. Donc bien sûr, si ce jeu, pour ceux qui veulent le savoir, est un free-to-play. Donc là, vous voyez, on peut voir tous les chars des alliés. Donc il y en a que moi, je n'ai pas encore. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le jeu. J'étais chargé le jeu, bah là, samedi 28 novembre, et aujourd'hui on est que le dimanche, donc le dimanche 29. Donc voilà, ça fait un jour que j'y joue, même pas, parce que j'ai fait des ranquettes de LOL en team. Donc là, comme vous le voyez, lui, les chars légers, comparé aux autres, comparé aux gros, ils ont moins de balles en fait. Parce que vu qu'il y en a certains qui tirent en rafale, bah le tir en rafale ça fait pas plus de balles, donc... Pareil logique. Il faudrait vraiment que je refasse certaines touches parce que certaines touches ne vont pas. Alors là vous le voyez qu'on parle l'autre, ça se voit vraiment qu'il est léger parce que si vous regardez sa vitesse, déjà à 50 km/h, voire même au-dessus de 50 km/h, il court plus vite qu'en ville. Et là si vous regardez on peut péter le décor aussi, ça c'est sympathique. Donc là oui, pour ceux qui se demandent pourquoi tout le monde va sur la colline, c'est qu'en fait la colline, c'est un gros point à récupérer, et si on arrive à le récupérer, bah c'est pas la win en fait. Donc il y a deux objectifs, soit tuer le plus grand nombre de chars possible. Oh mais il est con. Soit faut tuer le plus grand nombre de chars possible, soit justement faut réussir à aller récupérer le point de vue des ennemis. Comme on l'a... là où on spawn en fait. Comme vous voyez sur la minimap, il y a un point en vert et un point en rouge. Ils sont seulement touchés. Ne voyez pas, hein, c'est ça. On les tient, les gars. On peut se cacher aussi dans les fougères. On les a eu. La fougère. On va la voir, continue à tirer. Ah, le réservoir d'essence est atteint. Ah, merde, j'ai niqué le réservoir. On les tient, les gars. On va rester tranquille. Oui, comme vous le voyez, on est à... Un... Wow, on décroche d'ici. Voilà, on a une barre de vie, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va regarder nos alliés. C'est serré, on avait réussi à tuer un chat. Donc, vous savez quoi? On va retourner encore, faire une petite partie. J'ai vu un petit char nazi. Donc on va faire une petite partie. Ah, bah, ma partie avec mon char moyen. C'est fini et j'ai réussi à gagner. Donc oui, parce que vous pouvez réussir à gagner. Ah, un secteur du mode de bataille. Bon, il y a deux trucs à faire. Il y a des batailles en équipe. Qui sont 7 joueurs limités des rangs 6 à 8. Je sais même pas quel rang je suis. J'ai pas fait gaffe. Donc on va rester quand même dans ce mode de bataille. Ravage, c'est quoi? Domination, traque d'acier. Une sélection de deux modes différents en format de conditions de victoire.
domination et tout. Donc on fera ça un autre jour, pas aujourd'hui. Donc on va aller jouer avec un petit char léger du 3ème Reich. Il s'appelle... j'en sais rien, je sais parler l'allemand, mais si vous parlez allemand, c'est cool. Donc vous pouvez savoir son nom. Moi je vais jouer directement avec ce petit char. Donc aujourd'hui je vais pas tous les faire, hein, tous ceux qui sont basiques. Parce qu'il y en a que j'ai déjà acheté. Et d'autres que qui étaient déjà dans le jeu, dont je vous expliquerai après lesquels étaient dans le jeu directement, que vous aurez vous aussi. Donc comme vous le voyez, comme vous avez peut-être pu le remarquer, il y a déjà 7 pays. Il y a l'Amérique, l'Angleterre, la France, l'URSS. Il y a les nazis. Et je crois que j'en ai oublié un, l'Amérique, l'Angleterre, la France, les nazis, la Russie, j'en ai oublié deux. Allons-y. Donc, la Chine et le Japon, voilà. On est censé être dans un char léger allemand. La qualité, hein, je veux dire. Donc bien sûr, après peut-être dans vont dire ouais. Je fais que débuter. C'est que mes débuts sur le jeu. Moi je dis allez l'autre, t'as rien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est pas bien rapide aussi. Il y a une touche aussi pour aller plus vite, mais je sais plus laquelle c'est et je crois que je l'ai changé en plus. Allez Gertrude. On va faire shift, on va se mettre en mode sniper, j'ai pas envie de mourir trop rapidement cette fois-ci. Le problème c'est qu'en mode sniper, ils nous voient plus rapidement les ennemis. On a déjà un chino qui va. Donc pour ceux qui veulent le savoir, j'ai déjà fait des parties avant. Ah, un appel Sky. Voilà, je suis revenu. Excusez-moi, j'ai un petit appel Sky. Ah, mais j'ai pas le temps, les gens. Les joueurs de LOL qui m'embêtent. C'est un joueur que j'ai dans mon équipe depuis pas bien longtemps et qui... avec qui j'ai joué il y a pas si longtemps que ça justement, et à mon avis qui me demande pour refaire une partie, mais là je suis un petit peu en train de jouer un autre jeu. Ils sont seulement touchés. Ouais, touchés. Prêt à faire feu. On a perdu la cible. Ils sont touchés. Ah, tellement bon. Cible verrouillée. Un peu. On va la voir, continue à tirer. Moteur HS. Ah, on est bloqué. C'est bon. Où sont-ils passés? Non. Ah, j'ai encore fait tirer dessus. Donc je vais vous montrer les chars qui restent. Et voilà, hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr. Donc j'ai eu une défaite avec mon T-Rash. J'en ai un qui est en bataille. D'accord, oui, on a perdu sa fin. Donc voilà, alors, les chars qui sont de base, il y a déjà celui-là, que je viens de jouer. Il y a celui-ci, le MS1, qui est un autre char léger. Il y a celui-là, justement, de la Russie. Il y a celui-ci, des Américains, que j'ai encore jamais testé, il faudrait que je le teste un jour. Il y a celui-ci, le Renault FT. Celui-là, c'en est un qu'on achète, parce qu'il est dans deux. Celui-là, justement, celui-ci, il est donné. Il est compris quand vous le prenez. Celui-là, le canon AM, c'est moi qui l'ai pris. Vous savez quoi, on va finir par celui-là. Là, pour la Chine, il y a un petit Renault S... pardon. NC31. Et pour les Japonais, un Renault dessus. Et c'est tout. Donc on va jouer le Lloyd Gun Garage. Qui est anglais, hein, voilà. Un petit char anglais. qu'un canon à M, et personnellement je sais pas ce que ça veut dire.
vu que je suis pas dans le jeu depuis longtemps, c'est normal. Donc, pour ceux qui veulent savoir, il y a aussi un chat vocal. En appuyant sur... pardon, je suis un peu malade ces temps-ci. Donc, oui, pour ce... Ah, voilà, voilà à quoi on ressemble, pour ceux qui veulent savoir. Donc on a démarré un peu plus proche que nos alliés, c'est qu'on doit être ultra lent. Donc on va attendre. Donc oui, mince, je sais plus ce que je voulais vous dire, ça fait rien. Ça me retrouvera, mais je retrouverai bien ça. Bon. Bien sûr, j'espère que ça vous plaît, hein. Donc oui, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, il est gratuit. Comparé par exemple à Overwatch, lui, il va être payant. Oh, parce que j'ai dans les fougères, hein, je sais pas. Ça, faut jamais oublier de se cacher. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est ce qu'on peut faire. Ah d'accord, c'est ce que j'ai vu dans une vidéo, ça. Je sais pas. Voilà, on peut se cacher. Allez voir quoi on a. On va tirer. On va tirer. Ah. Encore chargement du canon. Je sais pas comment ça fait pour tirer en fait. Ah là. Donc d'accord, le canon AM c'est un canon qui tire de très très loin. Donc faut vite se cacher. Donc j'espère que cette vidéo vous sera plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. De par exemple, je veux jouer avec toi, je veux pas jouer avec toi. Vous faites ce que vous voulez. Donc cette vidéo sortira un peu avant Noël parce que je voulais faire une nouvelle vidéo justement qui sortait du lot de tout ce qui est League of Legends et de tout ce qui est jeu Blizzard. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu les amis. Ah d'accord, ça est fini, on a fait une défaite, d'accord. Donc bon, ça ne m'étonnait pas d'ailleurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a beaucoup de chars, j'essaierai de justement de commencer à spammer le jeu, à jouer plus un bon moment au jeu. Et je vous ferai bien sûr d'autres vidéos. Mais il y aura peut-être certaines surprises pour Noël et le Nouvel An, mais je vous en dis pas plus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et allez salut, à plus!